Dans cette vidéo, nous allons approfondir quelque peu les requêtes. Pour cela, on va continuer l'exercice P dans le monde et ajouter donc trois requêtes. Une première pour effectuer donc des recherches de données sur plusieurs tables. Une deuxième requête où il y aura des opérations. Et enfin, une troisième requête avec des paramètres. Alors pour cela, donc, je vais commencer par ajouter quelques membres et donc pour disposer de davantage de données. Donc j'ouvre le formulaire membres. Et je peux ici ajouter un membre. Donc je vais en ajouter, vous pouvez en inventer aussi, si vous voulez. Rue de la jonction 18, 6080 Vertry. Un téléphone, peu importe. Voilà. Et là, ce n'est pas grave non plus. Inscrit, on peut indiquer aussi. Voilà. L'email. Voilà, au niveau des dons, donc je vais en rajouter donc plusieurs ici. Donc un don. Voilà. Je rajoute celle-ci. Ok, pas d'autres dons. Et je peux encore en ajouter un. Je vais rajouter encore un autre, une autre personne. Voilà, 125, 6180 à Bertry. Voilà. L'inscription le 18/4/2020, membre passif et l'email. Pour changer une adresse Gmail. Voilà, donc lui, on lui a encodé donc deux dons. Et puis on pourra se lancer dans les requêtes. Donc un de puissant. Et voilà. Ok. Donc voilà, donc on a ajouté quelques membres. Je peux fermer donc le formulaire. Alors, première requête. Donc, on souhaite obtenir une requête pour déterminer donc tous les dons supérieurs à 200 euros. Donc, je vais voir donc, dans les dons ici. Donc, j'en ai quand même donc quelques-uns qui sont au-delà de 200 euros. Alors, donc je reviens dans créer. Donc, je peux fermer la table. C'est toujours mieux de fermer les objets, puisque Access parfois donc vous empêche d'effectuer des opérations lorsque les objets sont ouverts. Donc, c'est bien de les fermer. Que ce soit une table ou un formulaire. Donc je viens d'en créer. Alors, donc ici, je vais donc dans création de requête. Voilà. Alors, de quoi ai-je besoin? Donc ici, je vais avoir besoin de la table donc des membres et la table des dons. Je ferme. Donc vous voyez qu'il vous indique donc les relations. Donc pour ma requête, je n'ai pas besoin de tous les champs, évidemment. Donc, pour la table des dons, je vais avoir besoin de la date de paiement. Donc, j'effectue un double clic. Et de la somme. Voilà. Dans les membres, je vais avoir besoin donc du prénom, du nom, de l'adresse, du code postal et de la localité. Voilà. Vous voyez ici, comme ça, je peux sélectionner les informations. C'est très facile de les prendre donc dans une ou dans la deuxième table. Donc j'ai besoin d'un critère. Donc le critère, c'était le don qui doit être supérieur à 200. Donc le, ici, critère. Alors à vous de voir, hein, donc en fonction de la consigne, si c'est égal à 200. Donc est-ce que vous incluez les montants de 200 ou non, donc supérieur ou égal. Alors, donc c'est toujours bien au niveau de la somme d'avoir un tri croissant. Donc le tri ici, donc un tri croissant.
Voilà. Et puis on peut simplement donc l'exécuter. Et donc on aura ici donc une personne qui a donné 200, 250, 800, ainsi de suite, donc de façon croissante. Quand je ferme, il me demandait de la sauvegarder. Je mets oui, bien sûr. Et donc, un petit R comme requête. Donc, ça, c'est facultatif, mais moi, c'est une bonne habitude de procéder ainsi dans les enregistrements. Et donc, je vais mettre non, don important, puisque c'est les dons de plus de 200 euros. Voilà. Deuxième requête. Je souhaite obtenir une info. Donc, qui a donné plus de 500 euros en tout? Alors donc dans les dons, donc je vois que j'ai une série de dons. Certains donc ont donné une fois, mais d'autres ont donné deux fois. Donc ça m'intéresse de remercier, de féliciter donc tous ceux qui ont donné plus de 500. En sachant qu'il n'y a pas que ces deux-ci. Parce qu'il se peut très bien qu'une personne ait donné 250, et puis encore 250. Alors, on est reparti. Donc, création d'une requête. Voilà. De quoi ai-je besoin ici? Je peux éventuellement donc repartir de la première requête qu'on avait effectuée. Ça, on peut toujours hein, repartir. Ça, vous pouvez repartir d'une requête qui existe, ou bien, puisque ici on a fait, mais les dons importants, je n'aurai que ceux de que les dons de plus donc de 200 euros, mais donc si quelqu'un a donné 100 euros et 200, il ne va pas figurer dans cette requête-ci. Donc c'est pour ça que je vais repartir donc de la table à nouveau ici celle-ci. Voilà. Donc j'aurai besoin de quoi bien? Donc évidemment du montant payé et puis donc du prénom, du nom, de l'adresse, code postal et localité pour les remercier. Alors donc dans la ligne critère donc pour la somme, donc là je vais avoir besoin de plus de 500. Et maintenant je dois regrouper donc par membre donc la somme de tous les dons individuels. Donc c'est pour ça que je vais utiliser ceci donc qui est une nouvelle fonctionnalité donc que je vais activer pour effectuer donc des totaux. Donc je vais regrouper cette fois-ci. Alors dans regroupement, j'ai le choix. Donc on avait déjà vu compte qui vient comptabiliser. Donc c'est pas ça que je vais utiliser ici, puisque je vais compter cette fois-ci. Si j'utilise ça, je vais déterminer le nombre de dons. Par contre, moi ce qui m'intéresse, c'est la somme. Donc c'est-à-dire combien chacun a donné. Et dès qu'on arrive à 500, donc il va me l'afficher. Je l'exécute. Et donc j'ai ici Erika Becher qui a donné 850 et Jacques Livert qui a donné 900. Je vais quand même aller vérifier, donc ces deux-ci. Donc je ferme. Et je mets donc requête. Don Toto. Voilà. Donc je vais avoir dans mes membres. Donc ici je clique qui me donne. Donc celui-là non, celui-ci pas assez. Non. 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 Celle-ci non plus. Non. Oui, lui a donné 850 et l'hiver il a donné 900 en tout. 800 et 100, donc il a donné 900 en tout, Jacques Livert. Donc je vais vérifier. Donc dans les dons totaux, donc il m'a mis 900. Donc il a effectivement effectué donc le total, donc l'addition des deux. Donc la formule donc est correcte, donc la requête. Alors, donc après avoir vu une première requête pour qui travaille sur plusieurs tables. Une deuxième, on utilise Toto. On va voir la troisième, ce qui est une requête paramétrée. Donc là, on souhaite, quand on lance la requête, avoir une petite fenêtre qui s'affiche et qui nous demande la date de début et la date de fin, donc la période pour laquelle on souhaite afficher les données. Donc on appelle ça une requête avec paramètres. Donc pour cela, on va repartir de la requête don important que j'ouvre en mode création. Voilà, affichage, mode création. Et je vais donc, plutôt que de tout refaire, la réenregistrer. Donc fichier. Enregistrer sous, donc enregistrer l'objet, puisque je n'ai enregistré que l'objet. Ici, je sélectionne, c'est coché, enregistrer sous, je l'enregistre en tant que requête, et cette fois-ci, donc je vais l'appeler
Requête. Requête, requête. On va mettre don par période. Hein. Voilà. Donc comme ça, je vais pouvoir conserver donc ma requête et je vais simplement effectuer une copie. Donc je vais supprimer celle-ci et éditer don par période. Je repasse en mode création et donc je viens effacer donc ceci plutôt que d'avoir pour avoir un tri croissant. Alors, ça aussi. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est dans la date de paiement, donc ici, je vais venir donc ajouter par crochet donc un champ date pour demander à l'utilisateur donc qu'il encode donc ceci. Donc comme critère ici. Donc cette fois-ci c'est bien des crochets. Donc attention, crochet. Donc date, ça c'est un petit texte donc qui va apparaître. Voici. Si je lance la requête, donc le texte que j'ai écrit dans mon critère va apparaître ici. Donc si je mets par exemple 10 du 5, donc ici je n'ai rien. Maintenant, donc pour je vais vérifier quand même qu'il y avait bien des dons. Donc à cette période-là, donc le 10 du 5, donc il y en avait en 2018. Donc vous voyez qu'ici, le 10 du 5, donc il n'y en avait pas. Par contre, si je précise complètement 10 du 5 2018, donc là il va m'afficher donc là les deux dons qui étaient effectués donc cette date-là. Alors, donc ce qui est important de faire. Également, donc on pourrait préciser une date de début et une date de fin. C'est une autre façon de faire. Donc ici, je vais mettre simplement entre. Hein, donc entre. Voilà, entre début. Et voilà. J'exécute. Access donc me demande une date. Donc je vais reprendre donc le 10 du 5 2018. Hein. Donc je précise bien les années. OK. Et puis une date de fin où je peux mettre le 18 du 4 2020. Donc là, il va m'afficher donc tous les dons compris dans cette période-là. Donc, je repasse en mode création, affichage mode création. Petit rappel donc pour terminer. Donc ici, soit vous indiquez dans la zone du critère donc du champ que vous souhaitez interroger, donc soit vous indiquez entre crochets donc un petit texte qui va apparaître à l'utilisateur, ou bien vous pouvez utiliser donc un intervalle en faisant précéder donc des crochets donc entre. Voici donc ce qui termine donc cette vidéo consacrée aux requêtes un peu plus complexes. Donc pour rappel, on a vu comment interroger dans une base de données qui comprend plusieurs tables, une deuxième requête qui permet d'utiliser donc ici les totaux, et enfin une troisième avec ce qu'on appelle une requête paramétrée.